cette STEP, elle vise les pilotes ambitieux qui ont envie de faire du vol de distance, qui ont envie de sortir du bocal, qui ont envie d'aller crosser tout simplement. L'idée avec cette nouvelle ENB, c'était d'exploiter au maximum la performance possible de cette catégorie. En dehors de cet aspect performance, qui est clairement ce que cherchent tous les pilotes avec cette catégorie de voile, hein, avec une B-Sport, ce qui est important et qu'on n'a pas négligé, c'est le plaisir de vol. Et une fois cette notion de plaisir atteinte, après, ce qui compte, ça va être la transmission d'informations. Ça va être le ressenti de la masse d'air que le pilote va avoir quand il vole sous sa voile. C'est ce qui va lui donner les clés de progression et c'est ce qui va lui donner l'envie de progresser encore et d'aller plus loin et de passer les étapes petit à petit. Je pense que c'est important qu'on ait une voile qui justement permette d'accéder à ça et de ne pas se retrouver au moment où on va passer sur une voile C ou une voile D à apprendre à piloter vraiment une voile en conditions thermiques qui bougent. C'est bien de petit à petit, tout en ayant une voile assez sage, commencer à sentir ces choses-là, quoi. Partir d'une base de Tasca, dont on avait déjà des bons retours, puisque sur les Tasca, on avait eu des très bons résultats sur les homologations. Donc à partir de là, on s'est dit que c'était la base idéale pour développer cette STEP et d'en faire une voile vraiment confortable et facile à voler, tout en gardant tout ce qui avait amené la performance chez la Tasca et chez la Wild.